Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu D-Strain live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Il y a quelque chose d'étrange sur cette peinture. Peut-être devrais-je regarder sous un angle différent. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? La porte semble être entrouverte. Pas de problème si je le fais. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un laboratoire de drogue. Cette fumée verte. Je ne vais pas respirer ça. Raté, un coup pour rien. Wow! Ah, je comprends. Je comprends pas. Comme un morceau de tableau, ce serait souligné en bleu. Je me demande si c'est une tâche. Regardez ça. Thank you.
Faut que je réussisse à rentrer dans celle-là. Là. Morceau des lignes rouges, voilà. À moins que j'essaie d'aller par là. Une vieille machine à fond, elle n'a pas l'air de fonctionner. Non. Thank you.
C'est allumé, non? J'ai besoin d'une pièce de monnaie pour m'en servir. Au même endroit. Marche pas. À moins que je m'en vais jusqu'à la porte là-bas qui est peut-être fermée.
Ah bah ouais, je mets les. Je suis mêlé. Bien.
C'est pas... Enfin, je vous ai trouvé. Vous êtes là pour l'affaire. Désolé, mon nom est Price et je travaille pour... Ah ouais, vous êtes là pour reprendre mon domicile. Je suis ici pour faire en sorte que tout aille sans accroc. Pour ainsi dire, je ne peux pas le garantir. Pourquoi? Je suis foutrement contrarié, oui. Pourquoi? Vous voyez que je voulais faire une super fête d'adieu et une nuit mémorable. Et pourquoi ne le faites-vous pas? Cet orchestre de nuls a refusé de venir jouer. Je voulais dire, nous avions un accord. Mais il a décidé de ne pas l'honorer, je vois. Mais vous ressemblez à un type qui se débrouille. Pourriez-vous convaincre de venir jouer? Peut-être que je pourrais, mais... Pourquoi le ferais-je? Parce que je vais bousiller cet endroit pour de bon. J'ai pas ma fête. Nous sommes assurés pour ça. Ça, mais pensez à tout la paperasse. Le bras de fer avec la compagnie d'assurance, ce serait charmant. Vous marquez un point. Si l'orchestre vient jouer chez vous, vous promettez d'être sage, bien sûr. Ce n'est qu'une parole. D'accord, donc. Où puis-je trouver cet orchestre? Mais heureusement pour vous, il est bien à côté. La porte près de la fenêtre dans le couloir. Je vais voir ce que je peux faire. Mais pourquoi cette triste? Nous sommes censés faire une fête. Je veux danser. Ok. Je cherche un orchestre local. Et c'est bonne adresse, ouais, entrez. Ouais. Disant comme celle-ci. Bonsoir, bonsoir. Je voudrais que vous veniez jouer à la fête. Intéressé? Absolument. Dites-nous juste où, quand. La porte à côté maintenant. Alors, il vous a envoyé? Ouais, il est très en colère que vous ayez refusé de jouer. Ah ouais, bon. Mais nous avons une raison parfaitement bonne. Il a accepté de nous payer avant le concert. Et maintenant, il dit qu'il veut payer la moitié maintenant et l'autre plus tard. Comme il veut. Chacun ici sait qu'il peut être expulsé d'ici n'importe quel jour. Ah, c'est pourquoi je suis ici. Je suis supposé de m'assurer que tout se passe bien. Il menace de détruire son appartement tant qu'il n'y aurait pas d'affaire. C'est adulte. Ouais, mais je ne jouerais pas si j'étais vous. Il n'a pas l'air d'un type digne de confiance. Mais pourriez-vous envisager de jouer tant qu'il ne nous aurait pas intérêt à payer? Non. Eh bien, laissez-moi réfléchir. Je n'ai pas l'habitude de fouiller dans les poubelles, mais il semble qu'il y a quelque chose d'intéressant. Hein? Un billet de 5$. Je ne suis pas voleur, mais puisqu'il est à la poubelle... C'est moins une fente et pièce de monnaie. Couleur. Il mange, il ne t'apportera pas. Mais c'est pas notre bâtiment, le côté de la brume. Peut-être que je pourrais promettre des grands concerts de haute qualité d'orchestre. Je dois d'abord demander au chef. Je pense que je devrais l'appeler. Comme par hasard, le numéro est juste ici. Ok, je dois trouver un téléphone. Un téléphone, téléphone, téléphone d'adieu. Comment pourrais-je tirer?
pense qu'elle commence à emballer ses choses. Ici, merveilleux. Ça serait 4$, monsieur. Oh, j'ai pas d'argent sur moi. Pas d'appel, désolé. C'est pour un appel. Merveilleux. Ça serait 4$, monsieur. Et voilà. Merci, monsieur. Donnez-moi un numéro que je vais vous composer. Voilà. Merci, monsieur. Je vais maintenant composer le numéro. Cabinet McNeil-Bottom Boy, demoiselle Macon, appel. Pareil, que puis-je pour vous? Salut Jenny, c'est Price à l'appareil. Pouvez-vous me passer un dépassement, s'il vous plaît? Bien sûr, Mr. Price, une seconde. C'est bon de t'entendre. Comment va le travail? Beaucoup de temps, comment ça va? Écoutez, il y a un orchestre local. Vous pensez qu'on pourrait les embaucher, un orchestre? Bien, ça fait jouer de la vraie musique. Quel genre de musique? De la vraie musique, pas de la merde d'hipster. Avez-vous des gens spécifique en tête? Blues. Si ça veut jouer du blues, alors c'est nous embauchant. D'accord, merci Broughton. J'ai fini. Merci, téléphone. N'oubliez pas, monsieur Lamonnet. Merci. Allez, jackpot. Regardez ça, j'ai gagné. Un livre de bleu, quelle sorte de machine est ça? J'ai vu une vieille bibliothèque quelque part tantôt. Pour cette entreprise très chic, nous sommes de temps en temps de grandes fêtes. Nous sommes difficilement intéressés. Alors, si vous acceptez de jouer maintenant, je vous donnerai le numéro de mes patrons. Mais il y a un petit problème. Ils ont demandé si vous pouvez jouer du blues. Du blues? Ouais, je crois que j'ai entendu parler de ce genre. Oh, vous savez pas jouer du blues? Peut-être que si, nous avions quelques notes. Alors, c'est un coup de chance pour vous, les gars. Pas cool, les livres de blues. Alors, c'est bon pour vous. Pas. Ouais, je crois que c'est bon pour vous. Les gars, comment sent la fête? Et je vous promets des concerts de haute qualité. Toutes les modifications que vous avez demandées ont été faites. Merci, Monsieur Braden. Voyez, j'ai trouvé le lapin pour que vous me teniez en compagnie. Madame Chanel, je me suis très attaché à elle et je pense qu'elle me survivra. Je dois ce lapin et de la dynamite. Je comprends, Monsieur Goodwin. Les animaux peuvent être un grand confort à leur propriétaire. Vous avez raison, Monsieur Braden. Oui, et vous veillerez à ce qu'elle trouve un bon foyer. Et si jamais j'ai besoin d'en faire ressentir, c'est tout ce que je vous demande.
C'est très... Je suis désolé, le temps est écoulé. Cela ferait 500 dollars, Madame Goodwin. Oh, bien sûr, Monsieur Biden. Hein? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça? T'as raison, chérie. Quelle folle journée c'était. Regarde, chérie, c'est notre petit garçon. Je vois ça, chérie. Et maman, papa, qu'est-ce que c'est? Oh, j'espère que vous ne vous êtes pas réveillé, chérie. Vous avez... Qu'est-ce que... Nous voulions te faire une surprise, ta mère et moi. On te prend ton petit déjeuner. Oh, c'est pas réel. Il n'y a rien d'autre que mon esprit qui est en prison. Exact, c'est tout n'importe quoi. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ne comprends-tu donc pas? Ce n'est pas un travail pour toi. Mais tu sais déjà, nous pensions être sûrs que tu comprendrais. Tant qu'il est dans ta conscience, ton éléphant. Je suis désolé, fils. Je sais que c'est un peu extrême. Mais nous sommes seuls. Arrêtez ça. Oh merde. Oh merde, je peux la télé. Supposé être mon jour de congé, essayant de me détendre. J'ai besoin de café. Le café est infus. Je dois vraiment me calmer maintenant. Je suis énervé ces temps-ci. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, je suis abandonné le journal quotidien. C'est tout dont j'avais besoin. Je vais boire une bonne tasse de café en lisant ce titre. Le café devrait être prêt maintenant. Le journal et café font bon ménage, mais seulement si vous ne mélangez pas. Un numéro de téléphone sur ce papier, mais j'aime leur journaliste. Je m'assois. La table. La toilette. Bon, très bien, la table. Il fait froid ici. Du café chaud. Intéressant. Ils vont augmenter l'impôt sur l'alimentation. Quoi d'autre? La construction de la nouvelle autoroute a été commencée. Je crois que ça traverse l'ancien propriétaire de M. Taylor. Je me demande comment il va. Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle espèce a été découverte. Ça, c'est cool. Je me demande ce que cache la page suivante. Oh, c'est la rubrique écologique. Tant nom d'âge ici. Nancy P. Goodwin. Non. Non, non, non. J'ai perdu le poids du monde entier, ma paix sur le dos. Cela a tordu mon âme comme je n'avais jamais auparavant. À ce moment précis, j'ai pris une décision. Je me voudrais démissionner. Mais avant cela, je devrais lui rendre visite à sa tante. Je n'ai pas un énorme cadenas, je ne peux pas passer par ici. Bonsoir, tous les trous que vous avez là, merci, j'aimerais me rendre de l'autre côté, vous n'avez pas le liquido, nous sommes fermés pour ainsi dire, venez plus tard, puis juste non. Hé, il se passe quelque chose de louche au portail, quelqu'un tente de s'introduire, vous n'aurez pas un petit jeu? Mais non, allez-vous-en et laissez-moi tranquille.
Bon. Ce type est effrayant, je ne devrais vraiment pas le déranger pendant qu'il vague à ses occupations. Mais je dois rendre visite à Madame Godwin, allons-y. Être utile, bon. J'ai déverrouillé le portail, la clé est pliée, elle est maintenant inutile. Bon. Cimetière, troisième partie. Désolé, je ne voulais pas vous effrayer. Attendez une seconde, je vous connais. C'est la maison de retraite. Que diable faites-vous? Je suis ici pour rendre visite à mon mari. Le cimetière est fermé. Ah, il pense pouvoir m'arrêter. Jamais. Madame, vous ne pouvez pas vous introduire dans le cimetière ainsi. Voulez-vous bien vous calmer et me donner les pieds de biche, s'il vous plaît? Non, je n'irai nulle part sans voir mon mari. Dois-je dire au fourvoyeur ce que vous êtes en train de mijoter? Parce que je ne veux pas, ce type me file les jetons. Je suppose. Je vais juste attendre l'aube. Merci, madame. J'imagine que c'est pour ouvrir la porte dans la remise. Pourrais-je forcer la porte avec les pieds de biche? Je l'ouvrirai maintenant. Ça a marché. J'avais trouvé une planche. Tourne-moi.
Regarde, bientôt j'ai des estampes dans mes yeux, ça prouve que je ne mens pas. Intrus. Pas sous ma surveillance. Après ceux avec le pied de biche ne servira à rien. La plante est assez longue. Allez, vas-y, on y va. Me voilà, debout, il y avait quelque chose en ce moment-là, comme si j'aurais senti sa présence, c'est difficile à décrire. Je sais que vous m'accusez de... Je sais que vous ne m'accusez de pour quoi que ce soit, mais je suis désolé, pour le peu que je vous connaisse, vous méritiez mieux. Votre décès est un choc pour moi. J'ai décidé de démissionner. Où que vous soyez, j'espère que vous êtes heureuse. Je suis sûr que vous l'êtes. Ouais, avant que je n'oublie, vous apportez quelque chose. Ce n'est pas grand-chose, mais... Il éclaire votre chemin dans l'au-delà. Reposez en paix, Madame Godwin. Rassembler mon courage, ça finirait maintenant. Je ne pourrais pas vivre ma vie comme ça. Et alors, je suis allé voir mes patrons et je suis allé démissionner. Et j'ai dit, comment ça va? Ravi de vous voir, Monsieur Price. Avez-vous vu les patrons? Non, je ne sais pas où ils sont. Cessez de m'interroger. Du calme, Jenny. Désolé. Des messages pour moi? Non, bien peur que non. Eh bien, faites-moi signe lorsque vous saurez trouver les chefs. Bien sûr, Madame Price. Que faites-vous? J'installe une enseigne de votre nom, M. Price. Trouver une salière. Encore un peu d'eau. Je suis ici pour dimensionner, je vais pas me dégonfler. Il y a quelque chose qui ne va pas, le café, quoi donc? Un drôle de goût, salé même. Je suis fatigué, c'est des farces. Ok, je vais aller regarder, merci Jenny. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est avec ceci que Jenny fait tuer les appels téléphoniques. Je vais insérer le cordon dans la prise bleue. Et ok, maintenant...
Parlez, Monsieur Taylor, attends, sur la ligne. Puis-je connecter l'appel, quoi? Encore? Allez-y. Brutan. Bonjour, Brutan. C'est Taylor de l'appareil. Comment allez-vous, Monsieur Taylor? Écoutez, je comprends que la ville s'apprête à construire une autoroute. Je suis venu à l'accepter, quoi? Vous l'avez fait? Ouais, mais je pense que ça ferait... La cabane pouvait être déplacée ailleurs. Je veux dire, vous voulez seulement mon emplacement, mais pas mon domicile actuel? Je pars en juste là. Arrêtez ça. C'est trop tard pour tout cela. Trop cher. Je peux payer une petite partie des dépenses. Cela n'arriverait pas. Je vous envoie notre nouveau garçon demain. Il assurera que vous signerez les papiers. Mais au revoir, Monsieur Taylor. Et connard. Je n'ai jamais réalisé qu'il était si vulgaire. Non, je n'ai pas vu du tout. Ok. J'ai trouvé ta tasse. Je ne savais pas qu'elle était perdue, moi non plus. Ici, je vous laisserai emprunter ma tasse. J'ai déjà une tasse, merci beaucoup. Vous voulez pas trop? Non, je ne sais pas où ils sont. Ok. Ce serait pas de refus. Trouver ma tasse café, je sais pas qui était perdu. Non. Bon.
Hé, ne touchez pas mon téléphone, ok, désolé. J'avais pas vu qu'il y avait un téléphone là. Non, il n'y a plus d'eau, il faut qu'elle va changer l'eau. Mais vous savez, il n'y a pas d'eau dans la fontaine. Ah, j'ai soif. Comment j'ai changé la bouteille aujourd'hui? Je ne sais pas, ok, je dois y aller. Bon, les rouges. Monsieur Jonathan sur la ligne. D'accord, connectez-le. C'est McDwight à l'appareil. Hey mec, c'est J-Bomb. Je n'ai pas encore trouvé de nouvel appartement. Pouvez-vous reporter l'expropriation? Juste quelques semaines, le temps que j'emménage quelque part. Autre chose, vous voulez que je vienne vous chercher? Que je vous tienne par la main? Vous traversez cette putain de rue? Arrêtez d'appeler ici. Je vous enverrai quelqu'un là-bas demain pour reprendre les choses en main. Mais je voudrais vraiment adieu. Petit rigolo. Ce n'est pas vraiment le type non plus. C'est juste inutilement cruel. Que faites-vous? J'installe une enseigne pour... Non. Il ne touche pas mon téléphone, désolé. Il paraît que tu sais où sont les chefs. Non, tu as tort. Bon. C'est un chiffon. Cette personne ne bouchera pas les toilettes. Oups. Génie, les toilettes sont bouchées. Pouvez-vous y aller jeter un coup d'œil? Vous savez que nous avons embauché un gardien il y a peu. Je vais l'appeler. Non, non, je vais lui parler de toute façon. Alors je vais lui dire à propos des toilettes. C'est gentil de votre part. Que faites-vous? J'installe une enseigne, monsieur Pratt. Hey, ne touche pas mon téléphone, désolé. Et vous, un gardien, je suis déçu. Et ouais, quelle est cette chose?
Tu éteins le téléphone. Je pense avoir vu le gardien plus tôt, mais je peux pas le trouver nulle part. Peut-être devriez-vous l'appeler, serait tout. Un instant. La ligne n'est pas rejoignable. Je pense que le téléphone est coupé. Quelle poisse. Les toilettes doivent vraiment fonctionner à nouveau. J'y vais. Merci, Jenny. Vous êtes superbe. Je sais. Bon, on installe la prise... verte. Pas de neuf, Jenny. Monsieur, Madame Goodwin attend sur la ligne. Puis-je la connecter, je vous en prie. Moore. Bonjour, Monsieur Moore. C'est Goodwin. Comment allez-vous, Madame Goodwin? Honnêtement, pas très bien. La pension est maigre et les médicaments sont horriblement chers. Peut-être devriez-vous travailler plus dur. Oh, manger plus sain. Votre dette est... votre problème. Ce n'est pas honnête, Madame Moore. Vous savez que mon mari est décédé et toute cette bureaucratie et ces lois déroutantes. Eh bien, je pense qu'il n'est pas honnête. Je dois payer un impôt sur l'héritage. Eh bien, vous auriez dû remplir proprement les papiers. Et les lois, vous êtes tenu de les respecter. Je suppose, Monsieur Moore, je suppose bien la raison pour laquelle je vous appelle et que vous de... je demande un peu plus de temps. J'étais en train d'arranger mes affaires et non, la loi n'a aucun point premier. Il n'y a rien que je puisse faire. Sûrement, au revoir. Quelle vieille femme. Vas-y, aimante-leur, chérie. Le moment de vérité, fils. Je suis entré par cette porte. Il faisait noir comme nuit et c'était aussi silencieux qu'une tombe. Seuls les bêtes, les battements de mon cœur brisaient le silence. Une, encore un, pas. Et les lumières se sont allumées accompagnées d'un cri. Surprise, l'orchestre a commencé à jouer. Des ballons flottent au plafond. Ils étaient tous là. Mes patrons, Jenny et mes collègues. Il m'a fallu un moment pour réaliser ce qui se passait. J'ai fait mes preuves. La fête était à mon intention pour mon partenariat. J'ai inspiré profondément et dégluti. Je me suis préparé, acclamé haut et fort ma démission, mais c'est que s'est passé quelque chose. Un voile pourpre soyeux a révélé son secret. Le nouveau panneau avec mon nom dessus. Maintenant, Bruton, Moore and Price. L'avidité a ressurgi et ma colonne vertébrale s'est raidie. Mais avez-vous obtenu votre partenariat? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oui, j'ai obtenu mon partenariat et j'ai réprimé mes sentiments et ma culpabilité. Puis quand on a travaillé pendant quelques années, êtes-vous sûr de ne pas vouloir boire un autre coup? Mais non, merci monsieur, pas pendant les services. J'espère que ça ne vous dérange pas si je le fais. Pas du tout monsieur. Je me suis menti à moi-même, tout va bien, je me disais. Je continue à souffler dans le ballon, vous comprenez? C'est très loin. Mon esprit s'est brisé. J'ai commencé à glisser. Je l'ai peut-être bien cherché. Peu après, j'ai été licencié. Et une nouvelle vie. Ok, j'ai été habitué. Je me suis endetté de façon spectaculaire. J'ai tout perdu. Je me sens mal de vous reprendre votre propriété maintenant. Écoutez, jeune homme, la raison à laquelle je vous ai raconté mon histoire, s'il vous plaît, n'en dites pas plus, monsieur. Vous me rappelez vraiment quand j'étais plus jeune. Je vais l'admettre, votre histoire me déconne. Concerne vraiment, à coup sûr, j'y réfléchirai deux fois pour ma carrière. C'était
probablement la première bonne action que j'ai faite de toute ma vie. Réfléchissez-y. Pour ne pas finir comme moi, je le ferai. Mais Dieu, que je déteste faire ça. Vous devriez déménager avant la fin du mois. Je connais la chanson, jeune homme. Prenez soin de vous. Mieux vaut que... J'espère qu'il a vraiment écouté mon histoire. De quoi qu'on y est. Plus de whisky pour moi. Ce n'est pas un four à gaz. Je ne peux pas me suicider avec ça. C'est vide, plus de whisky pour moi. Je passe ma dernière sou à acheter un fusil de chasse. Je suppose qu'il est temps de m'en servir. Je vais écrire une note de suicide. Quoi dire? Or, récolte ce que l'on sème. On fera avec. Je vais finir ma vie ambitieuse, c'est un chaise. Je me sens mal pour lui. J'espère que ça irait pour lui. Allez, ça, je veux juste être ici. Un jeu de Jesse McConnell.
Merci d'avoir joué à Distrain Deluxe Edition. Il a fallu beaucoup de café pour réaliser ce jeu. Comme annoncé en 2017, je suis... La suite est en cours. C'est vrai, Distrain 2 arrive. Je vous remercie. Je remercie ma femme Jenny pour son soutien, ainsi que mes enfants Reiko et Minja. Je remercie également mon frère Juso pour la suite d'assurance qualité. Le suivi d'assurance de qualité. J'ai aussi travaillé avec des personnes formidables qui ont volontairement traduit le jeu grâce à des personnes. Le jeu est disponible dans de nombreuses langues. En parlant de cela, les sous-titres utilisés, traduction française de Guillaume Borador Ourier. Ce sera tout, merci. La fin. Appuyez pour quitter le menu. Donc c'était tout pour le jeu Distrain Deluxe Edition live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!